J'espère que vous allez tous très bien. On est vendredi. Il est... Coucou, Lucas va t'habiller. Il faut aller s'habiller vite. On va vite aller s'habiller. On est vendredi. Il est 7. Si je ne cadre pas, ça n'ira pas. Il est... En gros, il est moins le quart. Et on va aller à l'école. Voilà. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Coucou, on se retrouve dans la voiture. Les enfants sont à l'école. Je suis passée à Lidl pour aller racheter les yaourts que Rémi adore. Pour info, ils sont pas énormément moins chers, mais bon, c'est exactement les mêmes que les Mamie Nova en fait. Bah d'ailleurs c'est quasiment le même packaging, hein, sauf que les teintes sont dans les mêmes, c'est les mêmes teintes. Les Mamie Nova, vous les trouvez dans toutes les grandes surfaces à 99 centimes et ceux-là c'est 89 centimes. C'est combien? Oui c'est ça, c'est 89 centimes. Donc c'est 10 centimes moins cher, mais bon, Rémi les adore. Donc c'est le petit yaourt que je vais lui chercher, le petit plaisir. Et j'ai pris ça pour Jules, je l'ai payé 5,90. 99, c'est un petit jouet, mais en fait... Voilà, et il a plus beaucoup de jouets, et comme il a mal aux gencives et aux dents, il est vieux Jules, hein. Je vais pas m'embêter à lui faire un détartrage maintenant. Voilà. Mais du coup ces anciens jouets en fait il y en a certains qui sont très 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 durs, mais en fait il se fait mal quand il les rogne, parce qu'au bout d'un moment à force de donner des petits coups de dents dedans, ça fait comment dire, il y a des petits morceaux qui se dessinent, je sais pas trop comment expliquer, mais en gros ça lui fait mal, après ça lui abîme ses gencives, donc il saigne, c'est pas le bon plan. Donc je lui ai pris ça. À la base j'étais partie pour voir, ils ont des harnais à 12,90, du 99. Je voulais aller voir en fait comment ils étaient, parce que le harnais d'huile il lui gêne, j'arrive pas à lui trouver un harnais qui le retient, parce qu'il tire, on a toujours essayé, on lui a fait faire des cours de dressage et tout, mais... Voilà, il était tu, pourtant on l'a fait quand il était jeune, hein, mais non, non, voilà, bref. Donc du coup, je cherche un harnais parce que celui qu'il a tout de suite lui fait mal, mais j'en trouve pas, et là il y en avait, mais en fait c'est exactement les mêmes, enfin quasiment les mêmes, sauf que bon, bah, c'est pas la marque, mais c'est le même patron que les Julius K9, enfin, moi c'est le Julius K9, je sais pas si c'est par rapport à la taille, que Jules a. Que j'ai pas payé 12,99€ à l'époque, mais faut que je trouve autre chose, donc faut que je m'active. Voilà, et la dernière fois on a essayé de lui remettre son collier de quand il était petit, et il est gêné avec, et il a grossi. Donc le collier a du mal à passer, enfin il a grossi. Il a plus de peau qui pendouille sous le cou, on va dire. Sur le gosier, donc du coup bah, le collier le gêne, donc voilà. Donc il faut que je lui trouve un harnais. Si vous avez des marques à me conseiller, je vais regarder sur Zooplus, sur Amazon, pour voir ce que je trouve. Je verrai bien, mais c'est un peu compliqué de trouver un harnais, de pas se planter sur la taille par correspondance, mais après dans les magasins, je peux pas faire rentrer Jules à Lidl pour lui faire essayer, ou alors il faudrait que je l'amène à Clermont pour qu'on trouve un magasin où ils acceptent les chiens dedans, style Jardiland, des trucs comme ça. Mais je vais pas le stresser en voiture pour un harnais, donc il faut que je trouve un harnais par correspondance. Mais si vous avez des marques que vous aimez bien, qui sont souples en fait, qui ne font pas mal, parce que le problème de Jules c'est que ça lui fait mal sous les pattes, je sais pas si vous voyez, en fait le Julius K9 il a une grosse cingle assez rigide, elle est souple mais elle est quand même rigide, qui passe sous la poitrine en fait, sous le poitrail de chien, et le truc c'est que bah, ça lui cisaille, ça lui passe pile aux pattes, donc quand il marche ça lui fait mal, je sais pas si, voilà. Donc bon, on va bien trouver, hein. C'est pas... Ah si, c'est pour qui ça? C'est pour qui? Regarde, ça fait du bruit.
Oui, j'ai pas eu le temps de ranger encore. Tu sais pas où tu vas te mettre? Hésite. Oui, t'es content, j'ai compris, j'ai compris. Mais va jouer! Va jouer! Bon, il est content, hein? Ah, je m'en doutais bien. À chaque fois qu'il a un truc... Oui, c'est le bazar, j'ai pas eu le temps de ranger. À chaque fois qu'il a un truc, il va dans la chambre de Lily. Toujours sur le tapis. Mais joue, mon loulou. Je viens de rentrer, d'avoir été récupérer les deux loulous à l'école. Coucou Lucas, alors qu'est-ce que tu racontes? Bah ce matin ça s'est bien passé. Ouais. À la récréation par contre j'ai perdu. On a que 15 minutes. J'ai passé 15 minutes à regarder les arbres et le ciel parce que personne ne voulait jouer avec moi. Voilà. C'est bien aussi de regarder les arbres, oui, et le ciel. J'avais demandé à Léna et à Malone et à Ulysse, ils voulaient pas. Ah, pourtant ouais. Ils adorent ce jeu. Et Diane elle joue plus avec moi. Elle joue toujours avec son copain Antoine. Oui, mais c'est parce qu'elle a changé de classe, Diane. C'est pour ça qu'elle joue plus avec toi. Pourquoi? Parce que comme ça, elle parle avec ses copains en classe. Je pense que c'est pour ça. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Cookie? Il veut des câlins. Cookie veut des câlins. Et toi, Lily? Hein? Tu racontes quoi? Ça s'est passé bien. Ouais. On a mangé la compote dans l'école. Oui. C'est une table. La maîtresse ou Claudia, bah, elle m'a ouvert la compote. Elle t'a ouvert la compote? Parce qu'elle sait. Parce qu'elle sait que t'arrives pas à l'ouvrir? Oui. Ok. Et sinon, c'est tout? Oui. D'accord. Et toi aussi, c'est tout? Oui. Ok. Bah, on va monter. On va aller regarder ce que papa nous a fait de beau. Qu'est-ce qu'il y a alors? Sur ordinateur, maîtresse, on avait un petit jeu en fait. C'était que sur le tableau numérique, oui. C'était que il y avait tes. Et ben en fait, t'avais des camions, oui. Qui avaient des résultats, qui avaient des additions dans leur Ben. Ouais. Oui. J'arrive, Lily. Je vais t'ouvrir la porte. Oui, attends. Et fallait que toi t'avais une Formule 1 sur l'autoroute et tu devais pas foncer dans les camions sinon ça te faisait un point de pénalité. D'accord, ok. Et est-ce... moi j'y suis passée, j'ai réussi à faire zéro accident, j'étais très bon en... C'est vrai ça, je vais lui demander à ta maîtresse la voix ce soir. Oui. T'es sûre? Je suis pas passée en vrai. Ça sert à rien de mentir, Lucas, on te oui, l'a déjà dit. Lucas, ça sert à rien de mentir. On veut pas que tu sois le premier, on veut que tu essayes de faire le mieux que tu arrives. Et on veut pas que tu mentes, par contre, ça c'est pas possible. Oui. Lily, descends tout de suite, tu vas tomber. Par contre, il y avait des additions à faire, sur le cahier rouge, j'ai terminé le premier, c'est vrai. C'est vrai ça? Je l'ai demandé aussi, hein. Ça c'est vrai. Par contre, t'as terminé premier, est-ce que t'as eu tout juste? C'est vrai? Vrai de vrai, je vais lui demander, hein. Vrai de vrai. Parce que je t'ai déjà dit, je veux pas que t'ailles vite. Oui. Tu prends ton temps, tu relis. Ça sert à rien d'arriver trop vite, c'est comme ça qu'on fait des bêtises. Oui, ça je le sais. Mais c'est vrai de vrai de vrai. Bon, d'accord, c'est bien. Est-ce que vous pouvez ranger les jouets qui sont par terre, là? Je vois une fléchette et tout. Tu vas tomber, Lily. Elle essaye mes chaussures. Donc oui, Rémi a fait du riz pilaf, ça sent très bon. On va voir tout ça ensemble. Et Lily est en train d'essayer mes chaussures bail blanche que j'adore. Qu'il faut que je range d'ailleurs. Lucas, tu peux ranger s'il te plaît? Ça va là, normalement. Oui, c'est les chaussures de maman, il y a des petits talons. Oui. Est-ce que tu peux les ranger dans l'armoire s'il te plaît? Tu serais très mignonne. Bon allez, on va aller voir ce que Rémi nous a fait à manger. Oui, et du coup mon sac de lait doré, je le mets toujours là. Par contre je suis déçue parce que il rouille. Et le truc là, il rouille, enfin bon bref. Allez, on y va? Zou, monte, on va aller manger le bon repas de papa.
Regarde la caméra. Tu rentres de l'école? Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, Lucas va parler. Oui. Bon, bah, sur ce, c'est moi qui vais vous parler de ma journée à moi. Bah, moi, cet après-midi, bah, on a fait des maths, on a écrit les devoirs. On est allé en récréation ensuite. Après, on a fait des dessins de Londres. On a appris des choses sur Londres. Et on a regardé des vidéos de Londres. Okay. Et le mariage de la reine aussi, on l'a regardé en vidéo. Je me souviens. Un truc. Je vous passe les lits sur ce. Bah, je sais que je suis allée à la garderie pour attendre maman. Oui, parce que maman, elle arrivait... Je le sais déjà. Maman, elle n'arrivait pas à trouver de place, donc ben, j'ai pas eu le temps d'aller chercher Lily à l'heure, voilà. Donc du coup, à tout à l'heure, maman. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Lily. À tout à l'heure. Vas-y, au revoir, Lily. Bon, Rémi. Non, mais attends. En fait, je suis allée... Avoue que c'est quand même super drôle. Oui, ouais, ouais, c'est non, un boulet. Non, Rémi, papa. Ah non, moi je suis pas un boulet. Non, non. C'est pas moi qui en fait, j'ai été à la réunion Lucas, calmez-vous. Ce soir. Et j'ai parlé avec une maîtresse pour expliquer le PAI, la concentration, enfin tout ça, bref. Lily, arrête. Et en fait, à un moment, j'appelle Rémi parce que je suis sortie par une porte en fait qui s'ouvre de l'intérieur, mais de l'extérieur, on peut pas l'ouvrir. Et toutes les autres issues, parce que je suis sortie à 7h15, l'école ferme à 7h, la garderie ferme à 7h. Et en fait, aïe, tu me tapes en plus, vilain. Bah, j'arrivais pas à ouvrir la porte. Donc j'appelle Rémi en disant je suis bloquée. Il s'est foutu de moi, il me fait à lundi. À lundi. Tu mérites un beau hors champ. Avec des enfants. Hein. Donc bon, voilà. Et au final, j'ai réussi après une petite suée, je dois avouer. J'ai réussi à ouvrir la porte du hall et à ressortir par la garderie et enfin bon ben bref, mais j'ai un peu stressé. J'ai essayé d'appeler une maman aussi de l'école qui sont dans l'association des parents d'élèves. Je me suis dit peut-être qu'elle aura les clés, mais elle m'a pas répondu. Elle devait être occupée vu l'heure à s'occuper des enfants. Enfin voilà, du coup Rémi m'aurait lâchement laissé à l'école. Ah oui. Il aurait été célibataire pour le week-end. Ah oui. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pris dans le mur de la chambre quand je suis arrivée. Ah bah oui, mais bon, ça en même temps. Belle fille, c'était le meilleur. Mais dis donc, toi! C'est pas possible! Ah, c'est une grosse marque. Ah oui! On va prendre des granules. Viens. Ça fait mal quand Désolée, Lucas. Donc du coup, voilà. Rémi se fiche de moi. Bon, je vous laisse, je m'occupe de Lucas. Bon, sinon, c'est burger. Donc les enfants, ça sera. Enfin, non. Bah je sais pas parce qu'il y a deux steaks, alors je sais pas comment ils vont faire leur truc. Je pense que c'est Lily qui est en train de faire ça. Et Lucas des steaks et moi du coup c'est ça.